Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Blade and Sorcery. Première vidéo pour ma part sur ce jeu. Vous pouvez voir qu'on peut créer son personnage. Le jeu, on va l'explorer à peu près à 1% de tout ce qu'on peut faire. Pour la bonne unique raison, c'est que le jeu a des possibilités infinies vu qu'en gros il peut être modé. Là justement, je vais faire un peu mes premiers pas sur le jeu pour essayer de découvrir déjà les bases du jeu, comment ça marche. Et c'est un jeu bac à sable, un énorme défouloir dans lequel on va pouvoir jouer. Ok, petit bonus en plus, j'ai un full body tracking. Donc comme vous pouvez le voir, mes jambes sont animées, je l'aurai à tout moment. Hop là, hein, comme ça on part en petite danse. Oh là là, mais on est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on est BG, nous. Mais qu'ai-je fait pour être si BG? Donc voilà les bras, c'est que j'ai les manettes en main. À la taille, j'ai un petit truc. Connaissez, vous connaissez, vous connaissez. Ok, donc ça commence bien. Oh, direct, direct une petite dague là, comme ça. Ok, tac, je peux sortir comme ça. Aïe. Ah ok, c'est... on est même sur des giclées de sang. Alors normalement il y a plusieurs choses qu'on peut faire d'ores et déjà. Quand il y a quelque chose au sol normalement. Ok, donc voilà. Ok, ok, bien lourd, bien lourd, bien lourd. On a la salle d'entraînement, voilà, une première salle d'entraînement. C'est un peu le spawn par ici, plein de trucs hein, qu'on peut faire apparaître. Hop, ok, un arc déjà. Hop là, parfait, incroyable. Ah ouais, ok, je peux vraiment planter. Normalement, vu que j'ai... c'est méchant. Oh, je suis mort, c'est incroyable. Ah, attends, je lâche ça. Oh là là, incroyable. Normalement, on a aussi accès à des pouvoirs. Alors, si je me trompe pas... Ok, donc là, ça, c'est pour slow le temps, on verra plus tard. Voilà, là, on a accès aussi à des pouvoirs. Testons l'électricité. Oh, 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 let's go. Donc voilà, on a accès à un peu d'électricité. On peut lancer comme ça, là. Testons les pouvoirs du démon. Ah ouais! Ah ouais, c'est stylé! Je sais pas si je vais lui coller. Rasengan! Le dernier à tester, c'est le feu, hein. Là, là, je me crois dans Avatar, le dernier maître de l'air. Le feu. Le feu. Oh! En vrai, c'est clean de ouf, le feu, j'adore! Oh, je pense que c'est celui que je préfère parmi tous. Kamehameha! Oup, je suis là. Ok. Oh, j'ai mis le slow au bon moment. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Quoi? C'est quoi ça? Oh! Jure! Énorme! Attendez. Me dites pas que. Me dites pas que. Oh! Oh non! Oh, oh non! Non, 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 non. Oh, je l'ai fait tomber. Let's go! Let's go! Oh, c'est énorme! Attendez, par contre, faut que j'arrive à le faire au bon. Là! Enfin, à le faire le bottle flip là. Let's go! Je suis un putain de crack! Je suis un crack incroyable! Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a plein d'armes, hein. Mais dans tous les cas, toutes ces armes-là, on va pas les tester sur ce mannequin-là. Donc je pense qu'on va tout de suite aller se téléporter dans un monde. On a fait le tour un peu de cette salle. Ok, donc ouais, on est vraiment dans une arène de gladiateurs. On retrouve donc toutes les armes. Un bouclier. Un bouclier, ça pourrait être utile. Tu peux voir ça? Non, ça m'a l'air nul. Ça. Vas-y, go sur celui-là. Oui, bah oui. Ok. Donc ouais, vraiment, c'est le couvercle d'une casserole. Ok, donc ouais, voilà, les deux meilleurs boucliers vont être ces deux-là. Hein. On va y aller direct à l'épée, frère. Épée, fil. Oh. Ouga, ouga, ouga. Là, on a le tableau pour les spawns. Classic 1v1. On va se mettre quand même en easy. Et on va commencer manche 1 pour commencer. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, elle va me fouetter. Ouais, ils sont deux. Dans mon dos, en plus. Vas-y, je m'en fous. Là. Mange. Prends-toi des coups de bouclier. Ça a coincé. Ha. Oh là là. Let's go. Ha. Dans la jambe, dans la jambe. Let's go. Il est où l'autre? Faut que j'utilise plus mon bouclier. Genre, j'arrive vers lui, bam. Ha. Comme ça. Attends, mais elle fait 2 mètres, elle. Oh. Ouh. 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 Je te tranche. Je cours, je cours, je cours. I'm fast as fuck, boy. Yikes.
pardon, cousin, mais le coup était net et précis. Fight ended. Attends, tu vas me dire que la petite brique là, j'aurais pu la prendre. Oh, oh, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé les pouvoirs. On est trop bête. Oh, faut que je reparte utiliser les pouvoirs là. Ok, ok, ok. Attends, test. Joule, test. Joule, joule. J'ai envie d'avoir une petite épée au début et de sortir la grosse épée à la fin. Et on va penser à utiliser. Attends, est-ce que je peux utiliser. Ouais. Mais au pire, on va jouer à l'épée comme ça et on va utiliser des sorts comme ça. Genre, on va faire. Est-ce que je peux. Oh, ça devient intéressant. On va se mettre en médium, une vague. Je sais pas où ça va spawn. Les jambes, ça en connaît. Toi, c'est vrai que je peux y aller avec un coup de pied aussi. Ah ah, je peux activer mon pouvoir. Vite, le pouvoir du feu. On met un petit coup de feu sur ça. Coup portant. Hop là. Ok, il faut laisser cette épée. Il me faut... Excalibur! Légende. Hop! Triple kill! Ah! Ah! Dans le puits! Merde, j'essaie de l'emmener dans le puits! Oh le bras! Non! Tu vas pas te relever! Tu vas pas te relever! Je te chope! Let's go! Oh non, je suis tombé aussi. Wow. Oh, oh, let's go. Yes. On y est presque. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non. Ok, donc là, ça m'a l'air d'être un truc plus médiéval. Thème de wave. Ok, le stuff est là. On connaît le reste là-bas pour faire spawn. Le vide ici. Intéressant, intéressant. Je vais mettre un truc tranquille en vrai. On est parti. On va y aller à l'arc cette fois. Oh putain, merde. Oh, pourquoi les 15 à la flèche? Dégage. Dégage. Bouge. Toi aussi. Bouge. Par le bras. Merde, je t'ai pas. Ok, toi tu veux une bagarre de bonhomme toi. Dans ta mais. Quoi? Tu viens pas derrière toi? Hein? Pute. Oh. Trickshot versus réalité. Trickshot. Vas-y, carrément, on a... Oh, let's go. Jack, je t'aime. Réalité. Oh, le trickshot, trickshot. On peut pas sauter, en fait, con. Mais non. C'est compliqué parce que faut bien faire des sauts hauts. La flèche se lâche pas! Grosse pute! Oh non! Oh, ça y était presque! Malgré les dizaines de tries. Et pourquoi? À chaque fois se lever par un échec. Mais. J'ai su puiser au fond de moi. Mais je lâche, je relâche. Mes dernières ressources d'énergie. Rasengan! Le feu. Let's go! Oui! Dis-moi qu'elle en meurt, dis-moi qu'elle en crève! Let's go! Let's go! Oh oui! Putain, je trouve que ça m'a pris bien 30 minutes, frère! Bref, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura d'autres épisodes, comme je dis, vu qu'il y a énormément de mods. Si vous vous y connaissez même dans le jeu, n'hésitez pas à me conseiller des mods en commentaire. Voilà, vous me conseillez des petits mods, etc. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était JackB9, et je vous souhaite à plus, tout le monde! Redis, tu leur dis abonnez-vous. Likez la vidéo. Voilà, tu leur dis. Oui, voilà, comme ça. Hop là, voilà, voilà, parfait. Attends, viens avec nous par là. Fais un petit bisou. Hop. À plus.